Elle formait avec charme un couple des plus surprenants. Membre de l'UMP, Jeannette Bougrab partageait depuis 3 ans la vie du directeur de la publication de Charlie Hebdo, un militant communiste. Je suis là, pas en tant qu'ancienne présidente de la HAD, pas en tant qu'ancien secrétaire d'État de François Fillon, mais en tant que femme qui a perdu son homme, qui a été assassiné par des barbares. Je l'ai admiré avant de l'aimer, avant de tomber amoureuse de lui. Et je l'aimais parce qu'il était comme ça, parce qu'il bravait les choses, parce qu'il estimait que la vie est peu de choses quand on doit défendre un idéal. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont capables de mourir pour leurs idées aujourd'hui? Non. Parce qu'ils viennent de mourir, en fait. Ils viennent d'être assassinés. On aurait pu éviter ce massacre. On aurait pu l'éviter, ce massacre. Et on ne l'a pas fait. Jeannette Bougrab estime en effet que la législation française sur les réseaux sociaux est insuffisante. Elle dénonce l'impunité des internautes qui publient quotidiennement menaces et messages de haine contre son compagnon.